Et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur Transportiver 2. Aujourd'hui, on passe du côté sud-est de la map au niveau de Liège et on va créer une petite ligne qu'on avait en projet depuis longtemps, mais au final, on a fait d'autres choses. Et voilà, on y attaque maintenant. Et cette ligne, du coup, c'est de Liège à Alençon. On va faire une petite ligne, alors c'est vraiment une toute petite ligne hein, de ce côté-là de la map, en double voie électrifiée. C'est vrai qu'on fait beaucoup de double voie électrifiée. Je me rends compte de ça. On a aussi, ah oui, en ligne pas électrifiée, on aura aussi la ligne Valence Carpentras jusqu'à, alors je sais pas où, on va voir. On la fera aussi, je pense, dans les prochains épisodes. Il nous reste encore, allez, je dirais 5-6 lignes à faire. On aura encore un peu du fret à faire et après peut-être un peu booster les transports en commun dans les villes. Et après on aura fait le tour de cette map finalement. C'est plutôt passé assez vite. Donc on attaque. Nouveau mode dans la collection, le mode des gares DB. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un mode de gare qu'on m'a montré et qui est vraiment très sympa. On peut tout customiser. Hop, je vais la placer là. Alors, on peut déjà la customiser avant de la placer, ce qui est déjà pas mal. Et après, on peut un peu configurer. Alors, par contre, dans la configuration, dans quel. Voilà, les modules se cachent là. Donc, on peut ajouter des quais si on veut. Voilà, un point en hauteur là-bas, bon, c'est pas grave. On peut ajouter des quais. On peut peut-être dans divers ajouter. Ça c'est quoi ça? C'est un escalier pour sortir? Un escalier pour sortir. Et effectivement, là on a les abris, vous voyez qu'il y a deux types d'abris en plus, deux types d'abris de quai. Ah c'est pas mal, il le snap à l'extrémité, vous voyez? C'est bien ça! Celui-là il le snap à l'extrémité, celui-là il le snap au milieu du coup. Ouais c'est ça, ok. Ok. Bâtiment, je crois pas qu'il y ait de bâtiment par contre avec, si j'ai pas de bêtises, non il n'y a pas de bâtiment. Et donc voilà, c'est un mode qui est quand même plutôt assez complet. Bon, c'est les rails, donc il n'y a rien dedans. Donc c'est assez cool, plusieurs hauteurs de quai en plus. Donc là, non, vraiment un très très bon mode. On peut faire pas mal de choses. On peut pas ajouter par contre. Ah, là, on a les escaliers ici. On peut ajouter des ascenseurs, pardon. Et par contre, voilà. Ah oui, ici, voilà, parfait. Là, on a aussi de quoi faire des passerelles. Voilà. Passerelles avec ascenseur. Ça c'est des petits abris, on va en mettre. Hop. Et un autre ici si possible. Alors ça se tape un peu difficilement par contre, voilà. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Bah ok, des petits éléments. Vous voyez, il y a pas mal de choses. On peut mettre aussi comme type de sortie, voilà. On a ça. Ah, ça c'est quand même un passage souterrain. Ah ouais, on peut faire un passage souterrain à travers la gare, c'est très bien. On a aussi. Donc là, les passerelles, on avait déjà vu. C'est tout ce qu'il y a. Parce qu'on peut aussi faire. Ah, c'est ici, voilà. Alors peut-être faut relier comme ça. Non? Je sais pas comment ça marche. Ça m'a l'air d'être ça pourtant. On peut faire en fait un passage planchéié. Et ce qui est pas mal. Donc cette gare-là, on va s'en servir. Maintenant, je pense que elle est pas mal. Elle est mieux que les gares des Pays-Bas que je pouvais utiliser, je trouve. Donc cette gare-là, ouais, elle est très très bien. Donc là, on a une seule entrée, c'est suffisant, je pense. C'est une petite ville, hein. Ce serait une petite ville ici, donc pas de souci. Hop. Et on peut reprendre du coup, nous, notre voie ferrée et continuer la ligne. Alors la ligne, elle va aller longer le bord droit de la map pour aller terminer à Alençon. Je pense que. En vrai, il y a une ville là, une autre ville là, et puis c'est tout, hein, finalement. Pas besoin de mettre plus de villes que ça. C'est une petite ligne. Donc c'est juste pour habiller le bord de la map en vrai. Donc y a pas de souci là-dessus. Est-ce que je mets un pont là en sortie de cette gare? Je verrais bien un truc comme ça moi. Peut-être légèrement en courbe. Vous voyez ce genre de pont? Ouais c'est pas mal ça en vrai. En vrai c'est pas mal. Hop. Là on passe là, parfait. Ouais ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien. Ensuite, on va retourner et on va descendre un coup. On va tourner là comme ça. Voilà, parfait. Hop. Et là, est-ce qu'on a la bonne hauteur là? On a un poil haut encore. On va descendre encore un tout petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, hop, on se remet sur du plat. Nickel.
Là, on est bien en termes de hauteur. Donc, on va tracer la deuxième voie. Hop, qui l'allonge. Voilà. Et donc, lui, il a un petit bout de... Faut augmenter un peu la vitesse, d'ailleurs, à 140. Hop, sur quelque chose comme ça. Ouais, voilà, parfait. La petite ligne droite. Hop. Et la gare, ouais, elle va être un peu plus par là. Donc on va faire... Ah, ça remonte là par contre. Ah merde, ça remonte. Ça remonte, ça remonte. Donc on va supprimer ça. Hop, on va prendre l'outil des voies. Une petite pente. Alors peut-être pas aussi grande que ça. On va diminuer le truc. Hop, parfait. Voilà. Là, on arrive là. Ici. Ça monte encore, j'ai l'impression. Alors, si ça monte encore, je fais pas la gare tout de suite. Hein. Ah, ça monte encore pas mal, même. Ah oui, c'est... j'ai pris le pire endroit pour faire la gare, je crois. C'est vrai que ça monte pas mal, là. C'est vrai que ça monte pas mal. Là, c'est plat. Ah, mais on est proche d'Alençon, après, là. Ouais. On est proche d'Alençon après. Ouais, bah écoutez, je sais pas quoi faire. Tant pis, il y aura deux gares assez proches, mais bon. Est-ce qu'on a le choix? Je crois pas. Hop, là je vais faire une rampe un peu plus élevée du coup. Voilà, quelque chose comme ça, la petite ligne droite là. Hop. Voilà une courbe là. Ça monte encore. Au secours. En vrai, ça va être direct jusqu'à Alençon là. Parce que au rythme où on va. Non, on va arriver à faire quelque chose. Au bout d'un moment, je pense. Là, vous voyez qu'on commence à être pas trop mal. Là, si je le remets sur du plat, on va être bon. Hop. Petite courbe à 120. Voilà. Et là, on met la gare, là. Ouais, ça va. On n'est pas encore trop proche d'Alençon, en vrai. Ça passe. Ça passe, ça passe. Donc là, bâtiment. On va reprendre cette gare-là. Donc là, au lieu de mettre, par exemple... qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis Underpass. On va mettre Level Crossing. Et donc, vous allez voir que là... Hop, si je me mets là, on voit qu'il y a un petit passage à niveau pour la gare. Par contre, voilà, on peut mettre juste ça. Et voilà. Et là, c'est propre. Est-ce qu'on n'a pas, sinon on a ça. Non, on va quand même mettre des panneaux. Hein. Ah bah, ok. Bah, vu qu'il n'y a plus de panneaux, je peux plus cliquer dessus. Si, peut-être par là. Non, je sais pas où faut cliquer. Bon bah écoute, il n'y aura pas de panneau. Hein. Mais vous voyez que ça rend très bien en plus. Avec les petits grillages là comme ça, ça fait son charme, c'est plutôt sympa. Donc, sinon, vu que... On va configurer la gare, vu que le passage à niveau est là-bas, hop, on va déplacer tous ces éléments de quai. Avec... je cherche les abris. Ils sont pas dans l'hiver ? Ils sont à la fin. Ils sont à la fin, ils sont là. Voilà. Avec celui-là, par exemple, voilà, qui se snap sur le côté, c'est très bien. Voilà, hop, ça comme ça. Ah, il y a l'entrée qui est là. On la supprime aussi. J'aimerais bien en fait que mon entrée soit là. Je sais pas si c'est faisable ça. On va regarder ce qu'on a en élément. Ça, c'est les quais, donc non. Plus dans divers, du coup, peut-être. Si je prends ça, c'est à fait ça. Ça fait pas la sortie, ça, c'est ça? Ouais, non. Et en termes de sortie, du coup. Du coup, c'est dans le bâtiment. Non, attends. Elles sont dans quoi, les sorties? Il y a tellement de menus, des fois, qu'on s'y perd. Les sorties. J'ai ça, mais non, ça va pas. Les sorties, elles sont où? J'ai perdu les sorties. Ça, c'est une sortie qu'on peut mettre en bas. Logiquement. Si j'arrive à la placer. Ça me fait pas les escaliers sur le quai, par contre, ouais, je sais pas. Ça, c'est les passerelles. Mais j'ai perdu la sortie.
J'ai perdu la sortie. Ça, c'est des abris. C'est là qu'elle se cache. Bah, peut-être pas dans le divers alors. Peut-être dans les bâtiments, je l'ai pas vu. Mais pourtant, dans les bâtiments, il n'y a rien. Bah, on a plus la sortie. Quel enfer, quelle indignité. Alors, vous l'avez vu 50 fois, vous, je suis sûr. Mais moi, non. C'est ça? Non, bah ça, c'est pour la hauteur, ça. Ça, c'est une sortie en hauteur, d'ailleurs. Je prends la gare au passage. Hein. On pouvait faire une sortie, en fait, qui donne directement sur une passerelle. C'est très, très bien fait. Hein. Ce mode est très complet. Mais, visiblement, il n'y a pas de sortie. Juste au niveau du sol. Enfin, si, il y en a une. Mais je sais pas où elle est. Ça c'est pour faire les passages planchéiers. Et la sortie au niveau du sol, et bah, elle a disparu. Elle a disparu. Bah écoutez, là, je sais pas quoi faire parce que c'est embêtant. C'est embêtant de pas avoir de sortie au niveau du sol. Je refais un dernier tour, mais je crois que là, on va devoir mettre un autre bâtiment, sinon. Mais je voulais pas de bâtiment ici. Ouais, bah vous savez quoi, on va mettre l'accès dans divers, je crois qu'il est. L'accès juste avec l'escalier. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Oh, faut encore le retrouver, c'est celui-là. Ah, mais c'est celui-là en fait. Et ça le modifie automatiquement. Ah, c'est bien fait. Et du coup, si je le mets là, ça marche pas. Non, ça marche pas, dommage. Je l'aurais bien voulu ici en fait. Mais bon, tant pis. Hop. Voilà. Ah, vous voyez que ça m'a remis le passage au niveau. Ok, donc voilà, on va rester comme ça. C'est pas si mal, hein. C'est une petite gare. Quoi qu'on peut mettre quand même quelques petits éléments de déco, style des bancs. Voilà. Enfin, je crois que les bancs devant la sortie, par contre, c'est pas très conseillé. On va voir ça après la sauvegarde automatique. La fameuse. Ouais, non, ça rend pas bien. C'est bien parce qu'il y a la zone pour cliquer pour supprimer. C'est bien fait. Par contre, est-ce que je peux mettre plusieurs entrées côte à côte? Non, je peux pas, dommage ça. Ça aurait été bien. Parce que je trouve un peu étroite quand même cet escalier. Mais c'est pas grave. Hop, donc voilà, là on a notre gare. Ensuite, on va repartir de là. Hop. Du coup, à 120 km/h, bon, on va pas mettre plus parce que la distance est assez courte. Hop. Une courbe là comme ça. Bon, au moins là on est sur du plat. C'est déjà la bonne nouvelle. C'est que c'est plat. Hop, parfait. Et donc ensuite, on va. Donc on a ça, on arrive là. Et après, Alençon. Alençon pour faire la gare. Alençon pour faire la gare. Est-ce que. Une gare en hauteur. Bref. Ah, c'est une petite ville, Alençon, en vrai. Hein. Moi, je supprimerais bien, en fait, toute cette partie-là de la ville. Enfin, cet accès-là. Et je mettrais la gare, là, en plein milieu. On a l'arrêt de bus qui est pas loin pour les correspondances. En plus, c'est pas déconnant. On peut se mettre une petite gare FS pour faire un peu vieille gare, vous voyez, vieille gare française. Hop, avec... trois voies à quai... Vous voyez un truc un peu comme ça. Voilà, hop. Avec quelques voies pour la déco aussi. Hop. Vous voyez, genre ce genre de gare là. On pourrait avoir en France. C'est pas trop mal encore. C'est pas trop mal. Hop, j'ai juste supprimé. Voilà, parfait, juste ça. Et on va juste électrifier les têtes de voie. Hop. Donc voie 30 électrifiée, oui. Voilà, quelque chose comme ça. Hop, donc ensuite, on va prendre des voies à 60 pour que ça aille un peu vite quand même. Hop, là sur du plat. Voilà. Là, hop. Pas 120 là, mais 120 là.
Est-ce que ça rend bien ça? Bof. Bof. Là, c'est bof aussi. Peut-être si je supprime un cran, ça devrait aller. Ouais, voilà, parfait. Hop. Nickel. Et donc là, on est en légère descente ou montée. Ouais, c'est pas gênant. C'est pas gênant, mais faut faire attention de bien démarrer de là pour aller faire nos aiguilles. Notamment celle-là qui va aller, hop, pour le faisceau. Voilà. Hop, là comme ça. Là comme ça. Hop. Voilà. Là ensuite, on va faire un truc comme ça. Si le jeu veut bien. Voilà, hop, parfait. Un petit tiroir, du coup, c'est parfait. Ensuite, ici, on va reprendre des voies à 60. Bon, il m'en faut juste de quoi. Alors, pas celle-là, hop, celle-là. De quoi faire comme ça. On va faire plutôt comme ça. Voilà, 60 là, comme ça. 60 là. Hop, nickel. Pas mal tout ça, cette petite gare de Alençon là. Hop, et si on configurait un peu les bâtiments, qu'est-ce qu'on a un bâtiment qui correspond aux gares FSS sont là? Waiting room. Non, bof. Ouais, je verrais plus un grand bâtiment. Mais je sais pas si j'ai la place du coup. Non, ouais, j'ai pas la place. Après, je peux la faire volontairement sur le côté, la gare. Genre, c'est un terminus. Mais quand même, le bâtiment est sur le côté. Je crois. Ah non, non, Briançon, c'est pas vraiment un terminus. Briançon, il y a un tiroir, je crois, de l'autre côté. Mais ouais, je verrais bien ça pour changer un peu. Mais oui, il faudrait quand même un petit bâtiment là, mais il n'y a rien qui passe du coup. C'est formidable. Alors ça passait quand tu poses la gare, mais là ça passe plus. Hein, c'est. On apprécie l'effort le jeu. Hein. Sais pas ce que c'est ça. C'est un petit bâtiment comme ça là. C'est pas très beau. Enfin, c'est pas très beau. Le bâtiment est beau, mais voilà, c'est pas très beau de comment je l'ai posé quoi. Un petit poste d'aiguillage là. Faut le mettre là. Ah ouais, là c'est dommage, là il passait au bout, mais. Là il passe plus, ouais. C'est vrai que ça fait bizarre du coup. Au pire, je supprime cette rue là. On repose un bâtiment et on remet la rue, ça devrait passer. J'espère. J'espère. WC building. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre. Voilà, un truc comme ça là. Juste histoire d'avoir un quai pour que les gens puissent bouger d'une voie à l'autre. Ouais, c'est nickel ça. Parfait. Parfait. Hop, on a un escalier là en plus au cas où. Ouais, donc c'est pas mal. Allez. On valide cette gare là. On la valide. Et elle relie à Alençon. Donc c'est parfait. Est-ce qu'on pourrait pas juste configurer du coup un petit escalier là en bout de quai? Hop, on va prendre celui-là. Non, il marche pas. Ah, il marche pas en bout de quai. Et là, celui-là, pareil, il marche pas. On va supprimer la route. J'aimerais bien juste un escalier là comme ça, juste en bout de quai pour avoir un accès à la ville un peu plus simple, sans avoir à passer par le bâtiment voyageur. Donc dans bâtiment de passagers, celui-là. Ah ouais, mais du coup, vu que ces quais NS, ils sont trop. Ouais, c'est un poil choquant quand même. C'est dommage, hein. C'est dommage. Et parce que sinon, en bâtiment de passagers, ça c'est trop grand. Ça va pas. Et dans l'infestation, peut-être que dans l'infestation, j'ai des bâtiments qui permettent d'accéder et qui passeraient. Je sais pas, ça, ouais, bof. Bâtiment principal moyen. Petit bâtiment. C'est peut-être ça qu'il me faut. Non. Ça, c'est pour les marchandises, ça. C'est pour les marchandises. Ça va pas. Il y a tellement de choix avec ces gares que. On s'y perd un peu. Ouais, mais c'est ça qu'il me faudrait. Mais il met une collision. Du coup, avec la voie qui est là. Écoutez, je vais essayer de supprimer celui-là plutôt et on va remettre celui-là là, comme ça. Voilà, là comme ça.
Bah ça fait un bâtiment, je voulais plus un escalier, l'escalier était plus dans mon délire, mais bon, tant pis. Pas avec ça. Voilà, là la ville est un peu mieux desservie. Ok, on va remettre play du coup. On va faire une ville ici. Hop, donc on va mettre voilà, juste un truc là comme ça. Vous savez quoi? Non, on va mettre une vraie route parce que le jeu a tendance à mettre des vraies routes après. Hop, voilà. Voilà. Et on va pop la ville comme ça. On va juste faire ça et le jeu, débrouille-toi. Petite ville, ouais. Loudéac. Très joli nom de ville. Hop, Loudéac. Ah, du coup, cette gare-là, ça peut pas l'encens, je crois, ouais. On va la renommer. Hop. Pas le okay. Allons ensemble, parfait. Donc là, Loudéac. Loudéac, il n'y a pas de PN à Loudéac par contre pour aller d'un côté et l'autre de la ville. Donc on va en mettre un. Ah, c'est dégueulasse. Ok, bah on peut pas en mettre hein, finalement. Si là, je peux en mettre un, je crois, là, comme ça. Sans que ça casse le relief de la voie. Je crois que c'est bon. Ok, parfait. Donc Loudéac, et ici, on va avoir une autre ville. Donc là, pareil, on va un peu modifier nous-mêmes parce que j'aimerais bien qu'il y ait, voilà, qu'il y ait, par exemple, qu'il y ait une route qui passe là. Et après, bah, il me faut une route là. Voilà, hop, quelque chose comme ça. Et là, on place la ville là. Voilà, parfait. Nogent-le-Roi. On accueille Nogent-le-Roi. Hop! Bien! Bon, bah là c'est parfait. Vous voyez, c'est ça que je voulais, l'esprit du pont là, comme ça, qui passe un peu au-dessus de la ville, qui profite du relief. Ok, nickel. Dernière étape avant de placer les trains, la pose de la signalisation. Hop. Donc, on va mettre, comme d'habitude, vous connaissez le refrain maintenant, ici. Ah, quoi que ici, donc c'est 30 pour toute la gare. Donc, ici, un carré en terreau suffit. Bon, je peux utiliser des carrés là, par contre. On va mettre du coup quand même. Un rappel ralent 30 et l'avertissement. On va attendre la fin de la sauvegarde automatique surtout. Quand ça veut. Bon, merci. Hop, voilà. Ensuite, on prend des sémaphores qui se posent en pleine ligne. On va mettre un là. Hop, un autre là. Celui-là, il faut le mettre sur le pont. Il n'y a pas un truc pour les ponts en plus? Ouais, si, il y a ça. Hop, voilà, on le met sur le pont. Ensuite, on peut en mettre un là. On va pas en mettre trop, hein, c'est pas la peine. Un autre là. C'est pas la peine parce qu'il n'y a pas beaucoup de trains sur cette ligne-là. Et au contraire, du coup, faut en mettre moins pour que les trains ils puissent se cadencer correctement. Ah, ça m'a encore mis des barrières là. Est-ce que je modifie la gare après? Hop. Et ensuite, un entre les deux, puis ce sera tout, hein. Voilà, et là, le fameux. Et ici, on met des carrés. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Du coup, je voulais voir. Oui, ici. Voilà, ça, c'est pas bon, ça. Configurer. Ah, non, c'est pas configurer, c'est. Faut cliquer là-dessus. Hop, parfait. Et vous voyez que les gens en fait ils passent par la gare pour faire le tour de la ville plutôt que passer par le passage animaux. En même temps il n'y a pas trop de joie donc c'est pas grave. Donc en tout cas, départ de Liège. Hop, on va partir d'ici. Hop, tu passes là. Tu arrives là. Tu passes là. Et ensuite terminus ici. Parfait, Alençon. Ok, là si tu veux. Quoique non, on va se mettre devant la gare quand même. Hop, on va se mettre devant la gare. On va se mettre ici. Hop. Donc c'est bon, Nogent-le-Roi et ensuite Liège. Ok, parfait. Donc là on est bien. Hop, c'est nickel. Oui, la voie est bien plutôt, enfin plutôt bien faite. Est-ce que je mets un train ici? Est-ce qu'il pourra repartir? Il pourra repartir. Ok. Est-ce que j'ai un autre dépôt? Sinon non, on va mettre celui-là. Ok. Donc maintenant encore la fameuse question. Qu'est-ce qu'on va acheter? Vous savez déjà parce que c'est la miniature de la vidéo comme d'habitude, mais moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Bon, du coup, les modes allemands c'est chiant.
On n'a pas encore mis de Desiro. Ah, c'est dommage, j'ai pas de Desiro belge. Un Desiro belge aurait été parfait. Mais je n'en ai pas, visiblement. En fait, d'être un belge, je n'ai pas tant que ça. Hein. Je n'ai pas tant que ça. C'est plus d'être un français qui roule en Belgique que j'ai. Mais des trains purement belges, bah, je n'en ai pas, je crois. C'est vite vu. Je crois pas que. J'aime pas si on a sur TPF. Ouais, je sais pas. Bon, en unité multiple électrique, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que en vrai, est-ce que je mets vraiment une unité électrique? En vrai, ouais, le Desiro, quand même, mine de rien, il me tenterait. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas de Desiro belge pour ici. Mais le Desiro, on n'en a pas mis, je crois, encore. Il me semble pas qu'on ait mis. On va regarder vite fait. Non, on n'en a pas. Hein. On n'en a pas. Ah si, on en a. Ah oui, c'est vrai qu'on en a. Oui, bien sûr qu'on en a. Bon, alors pas de Desiro. Pas de Desiro vu qu'on en a déjà mis. Et sinon, un lock électrique, qu'est-ce que j'ai? On peut faire une petite rame réversible. Qu'est-ce que j'ai qui peut être sympa? Ah, oh, des 12X. Hein. Faudrait que j'en mette un des 12X un jour. Hein. On peut être une Euro Dual avec quelques voitures. Non, c'est faux. On peut être une Locke d'Eurostar. C'est faux. Qu'est-ce qui me. En vrai, on a un peu déjà tout fait. Hein. La map est tellement grande qu'on refait ce qu'on a fait presque, j'ai envie de dire. Mais du coup. Ouais, il n'y a rien qui me tente non plus en Locke. Vous voyez que. Mais moi, en fait, j'ai envie de mettre du matos allemand. Mais le problème, c'est que bah, il n'y a pas de cabine quoi. C'est chiant. C'est très très chiant. Sinon, on peut mettre. Ah non, on a déjà tout mis là-dedans. On a déjà tout mis, quel enfer. En diesel. Pas d'être un diesel sinon. Ouais, mais non, le problème du diesel, c'est que c'est une ligne électrique. Ça, voilà, ça, il faut que j'y mette ça. Ça, il me faut une ligne pour y faire. Il me faudrait une ligne pour y faire. Écoutez, je pense qu'on va partir sur... On n'a pas des tracks. Des tracks 1. Trax 1. Voyageur, parfait, voilà. On va pas... Ah non, attends, mais ça s'appelle Trax 1 ça. Si c'est une Trax 1. Bon, Trax 1. De profil, c'est vrai que c'est difficile à dire, mais oui, oui c'est une Trax 1. Et en voiture de passagers. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour. Bon, on a. Ouais, on a les voitures à 2 étages, mais c'est un peu overkill, je pense, pour les lignes qu'on a. Ouais bah écoute on va mettre ça hein. On n'a pas en plus des rouges pour l'instant sur la map. Donc on va mettre ça. Vous savez que où est-ce qu'elle se cachait par contre? Elle se cachait là. Hop. On va mettre juste 5 éléments. Par contre voilà. Hop et on va en acheter plus 4. C'est une petite ligne voilà, ça ira bien. Hop et donc ça partira sur la ligne 57. Parfait. Allez, on va monter en cabine. S'il y a une vue cabine. Bah ouais, pas de vue cabine. Hein. Voilà, comme d'hab. Hein. Ah, il y a celle-là. Peut-être qu'en bougeant. Ah, mais le FOV est dégueulasse. Hein. Oh, mais au secours, quoi. Les modeurs, s'il vous plaît. Oh, ouais, c'est dégueulasse. Hein. Oh là là, au secours. Bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, mais bon. Ah là là, c'est pas la joie. Hein. C'est pas la joie. Regarde, ce FOV est dégueulasse. On voit à 36 degrés en fait. Littéralement. Hop. On va attendre que la ville y passe. Hop. Et voilà, c'est notre tour. Une petite ZTR qui passe à gauche. Hop. Voilà, nous on sort ici. Et on va prendre notre ligne qu'on a réalisée aujourd'hui. Un petit train en provenance de l'Euroville qui rentre en gare aussi. Hop, voilà, parfait. Il y a un accélère avec notre Trax. Et il n'y a pas que la Trax, c'est cool, hein, bien sûr. J'aime bien cette ligne là qui part un peu en surplombant la voie à gauche. Hop, et qui va un peu dans la montagne comme ça. Voilà, et là, hop, on va s'arrêter ici. Évidemment, on a des gares allemandes. Normal de mettre du matos allemand, j'ai envie de dire.
Là, pareil, cette gare qui est un peu en surplomb de la ville. J'aime bien jouer un peu avec le relief comme ça. Et on est reparti. Direction Moudéac, du coup. Pourquoi on freine là? Au secours. J'ai pas regardé si la gare est en correspondance avec le bus, mais il me semble que si. Hop, la petite montée très légère et la grande rampe juste derrière. Et la gare de Boudéac au sommet de la rampe. Ouais, y a un peu de monde déjà. Y a un peu de monde. Hop, et on repart. Direction Alençon. Donc voilà, c'est vraiment une toute petite ligne hein, pour relier Alençon et Liège. Une petite ligne avec 4 trains, ce sera suffisant. En plus, ils prennent assez 7 gens. 156 personnes, c'est largement suffisant. Et voilà, on arrive à Alençon. Parfait. Parfait, parfait. Ouais, écoutez, du coup, ce sera tout pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. À très vite pour la suite. Et salut tout le monde.